ce geste de toi viendra mon secours. Viens se met dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 17 août 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zettino. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. On parle souvent de foi. Je te parle souvent d'amour. Mais il me semble qu'on parle, en tout cas moi, je parle pas beaucoup d'espérance. C'est peut-être parce que parfois il m'en manque. Je vais te dire une affaire, je vais me confesser. Hein? Parfois il nous manque d'espérance. C'est une des grandes choses qui manque à l'heure actuelle, l'espérance. Et il m'arrive des fois, hein, j'ai demandé l'autre jour à des amis, de quoi que vous pensez, vous me suggériez de parler à la chronique. Et un m'a dit, Stéphane, l'espérance. Bien, ça a bien tombé parce que l'autre jour, je suis tombé sur un livre, le titre d'un livre, d'un grand homme qui vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps, Hubert Reeves. Cet homme-là, tu sais, c'était un des grands scientifiques hein, dans le monde. Et en même temps, sa science lui permettant un regard d'une lucidité incroyable. Mais sa lucidité, malgré tous les constats qu'il pouvait faire, lui a fait écrire un livre qui a pour titre « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». C'est-à-dire, croit dans le sens, pas de foi, mais de croître, de grandir, de pousser. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Hey! D'une part, c'est clair que c'est un constat de vie, ça, hein? C'est un constat de vie. On regarde ce qui se passe, puis oui, bien évidemment, il y a des pouces d'ivraie. Mais Jésus dirait, regardez le beau grain, hein? Regardez le bon grain qui est là. Et ça, c'est l'espérance. Il y a une phrase de la théologie chrétienne qui dit « Là où le péché abonde, hein, » et là, je t'entends déjà le dire, « La grâce surabonde. » Dans ta vie, dans notre monde, où il me semble qu'il y a tellement de choses qui pourraient nous faire imaginer des scénarios apocalyptiques, et c'est une chose qui prend beaucoup chez des jeunes, ça. Moi, j'ai des amis dans la vingtaine, et beaucoup, beaucoup, hein? L'autre jour, il y en a un qui me dit, moi, j'ai espérance, avec un F, hein? J'ai bip, 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 j'ai espérance. J'attends la bombe. J'attends une bombe. En voulant dire, j'ai pas d'espérance. Non. C'est vrai que des fois, on a des comportements épouvantables. C'est vrai que des fois, on gère les affaires. Et Reeves le savait, hein? La crise écologique, la crise économique, la crise, les crises. C'est nous qui sommes souvent à l'origine de ça. Mais si toi et moi, on voyait qu'il y a aussi dans notre cœur humain, dans ton cœur, puis dans mon cœur, des pouces de salut extraordinaires. Et si on les laissait pousser, et si on les voyait, et si on se permettait justement de voir l'avenir, advenir, l'espérance nous faire avancer et ne pas attendre une bombe. Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas en magasin. Il s'agit du tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque, qui a ses chroniques à la Victoire de l'amour tous les jeudis, qui sont absolument excellentes. Et le titre du livre, c'est la façon qu'il commence ses chroniques. Tous les jeudis, il dit à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Un livre que vous allez beaucoup aimer, facile à lire, rempli de gros bon sens. Et moi, je l'ai adoré, ce livre-là. C'est un résumé de beaucoup de chroniques qu'il a fait. Il a ajouté des choses. Et ce que j'aime du livre, ce qu'il m'expliquait, c'est que tu peux ouvrir le livre n'importe où et tu vas trouver quelque chose qui va te nourrir. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ Et je remercie de tout cœur Martin de nous avoir offert ce si beau livre. Voici l'adresse, La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h. Dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.victoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore de notre ami Martin Larocque. Prenez le temps de le lire. Pourquoi? Parce que vous en valez la peine. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Il y a quelques semaines, j'étais en visite chez une famille. Et puis, la famille a deux enfants. J'ai baptisé la toute dernière, puis il y a un petit garçon qui a peut-être 3-4 ans. Et c'est intéressant parce que les parents me demandaient si je voyais au confessionnal les anges qui étaient par-dessus, en décoration. Et je leur disais que oui, j'avais l'image parce que, bien, à chaque mardi, je suis au confessionnal, donc je les vois très bien, ces petits anges qui sont au-dessus. Et ils me racontaient comment est-ce que leur petit garçon, à cause de ces anges, lui, il avait vu également une forme d'écureuil. Alors, le petit gars, il disait, quand il allait à mon église, nous allons à l'église des anges écureuils. Et je trouvais ça totalement charmant. Parce que je me disais, comment est-ce que le regard de ce petit enfant pouvait transmettre cette image aussi simple et sympathique? Et c'est un peu ce qui se déroule dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur dit de laisser les enfants s'approcher de lui. Même si les disciples veulent les écarter, le Seigneur insiste. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette honnêteté, cette vérité qui habite dans le cœur d'un enfant et qui nous aide à voir la vérité de notre foi. Et c'est là où, justement, si un adulte m'avait dit ça, des anges écureuils, je l'aurais peut-être pris différemment. Mais vu que ça venait de la bouche d'un enfant, avec sincérité, innocence et vérité, bien c'est là où tout cela change. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Comment sommes-nous capables d'entrer dans cette relation de vérité? Et c'est là où il y a une recherche.
une recherche que nous avons à faire personnellement. Comment pouvons-nous apprendre à laisser des choses de côté, ces choses extérieures qui nous empêchent de vivre en vérité notre relation avec Dieu? Parce que quand vous voyez un enfant, si l'enfant a la confiance, il va se jeter dans les bras de la personne qui est devant lui. Mais si l'enfant n'a pas la confiance, qu'est-ce qu'il va faire souvent? Il va se cacher en arrière de maman ou de papa. Et c'est là où on voit cette sincérité de tout simplement, quand il fait confiance, il fait confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a cette relation de vérité de l'un et de l'autre. Quelque chose d'autre qui, pour moi, m'impressionne et m'admire, c'est de voir comment est-ce que dans les bras des parents, les enfants sont capables de trouver le calme. Et souvent, après une crise, après des pleurs, après tout plein de choses, dès qu'ils sont dans les bras d'un parent, c'est là où on voit comment l'enfant réussit à vivre ce calme intérieur. Et c'est là où je vous poserai cette question. Sommes-nous capables de trouver cette même tranquillité quand nous nous mettons dans les bras de Dieu? Sommes-nous capables de vivre ce temps où nous voyons que vraiment, dans les bras de Dieu, se trouve notre calme? Où là, on peut justement trouver cette paix intérieure qui nous empêche de simplement nous préoccuper à chaque instant pour ces choses extérieures? Où notre peine ou notre douleur prend le dessus et nous perdons ce contact et cette confiance avec notre Seigneur? Et c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais en même temps, quand on voit cet exemple, c'est là où on est invité à grandir dans cette foi, à contempler cette vérité qui vient de Dieu, qui nous appelle à dire à chaque instant, dans tes préoccupations, dans tes peines, dans tes douleurs, viens tout simplement dans mes bras, et là tu vas trouver consolation. Parfois, au contraire, on cherche à se consoler à gauche et à droite, et puis on revient dans une course effrénée, alors que le Seigneur nous invite à prendre le calme, à prendre un temps de silence, à venir admirer la vérité qu'il y a en lui, qui est un amour incroyable pour chacun d'entre nous. Alors que le Seigneur nous aide dans ce que nous vivons, dans ses souffrances, dans ses douleurs, à nous avancer tel un enfant avec confiance dans ses bras du Seigneur qui nous apporte réconfort, amour et confiance. Et moi, de tout cœur, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme le dit l'Évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. J'aimerais qu'on se rappelle ensemble qu'il ne faut pas se fier aux apparences, que souvent, ce qu'on pourrait juger de moins élogieux, ça peut cacher quelque chose de très beau. Souvent, ce qui est le plus simple, le plus humble, le plus discret, c'est là que se trouve le plus de bénédiction, le plus d'amour, le plus de joie. Donc, n'ayons pas peur de rendre des services discrètement, de ne pas être vu alors qu'on fait le bien. Quelle grâce se cache là, mes chers amis. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée. Joséane, atteinte de sclérose en plaques. C'est quoi mon choix? Être en colère, avoir de la rancune, de la rancœur ou l'accepter. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé.